Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous présenter le guide complet du deuxième secret de contagion de Zombie Cold War. Alors tout d'abord, je vais vous montrer tous les emplacements des portails de toutes les maps dans Contagion. Donc les portails, c'est la première étape du secret et pour les faire apparaître, vous allez devoir atteindre la manche 3. Le seul emplacement où il n'y a pas de portail, c'est Sanatorium. Donc si vous êtes à la manche 3 et que vous êtes sur la map Sanatorium, vous devrez passer à la manche 4 pour arriver sur une autre map et commencer la première étape du deuxième secret de Contagion. Alors pour vous aider dans le gameplay, je vais vous montrer tous les emplacements de tous les portails rouges que vous allez devoir chercher pour réaliser la première étape. Alors il faut savoir que quand vous trouvez un portail rouge, vous allez devoir passer dedans, ensuite vous allez téléporter dans le ciel et vous allez devoir repasser dans 3 portails rouges. Si jamais vous loupez un portail rouge, il faudra obligatoirement passer la manche pour réessayer sur une autre map. Donc essayez de ne pas vous louper. Mais logiquement, c'est pas très compliqué parce que le portail vous envoie carrément dans la direction du portail suivant. Donc vous avez juste à être un peu attentif et à regarder où se trouve le prochain portail pour passer dedans. Quand vous serez passé dans les 3 portails, il y aura un dispositif qui va tomber sur la map. Alors il faut savoir que ce dispositif sera marqué par un rayon lumineux jaune dans le ciel. Donc si jamais vous l'avez pas vu tomber, bah vous regardez dans le ciel et vous cherchez un rayon lumineux jaune pour trouver l'emplacement du dispositif. Donc quand vous avez récupéré ce dispositif, vous allez devoir accomplir l'objectif principal de la map pour ensuite faire apparaître la balise. Et de la balise, vous allez pouvoir téléphoner à Ravnov. Donc quand vous aurez téléphoné à Ravnov, vous allez pouvoir passer la manche en vous téléportant vers une nouvelle map qui sera obligatoirement Sanatorium. Et quand vous serez sur Sanatorium, ben là c'est la deuxième partie du secret que je vous expliquerai après vous avoir montré tous les emplacements des portails. Oh,
Alors, quand vous arrivez sur la map Sanatorium, vous allez devoir défendre un hélicoptère. Donc, rendez-vous à l'emplacement que je vous montre sur le gameplay. Là, il y aura un hélicoptère crashé. Vous allez devoir défendre cet hélicoptère. Quand vous aurez tué tous les zombies, vous allez pouvoir interagir avec la radio. Et quand vous aurez interagi avec la radio, vous allez devoir vous rendre sur le pont. Tout au bout du pont, il y aura un véhicule. Quand vous serez près du véhicule, Weaver va vous demander d'aller chercher une orbe. Alors, cette orbe, elle a trois emplacements possibles. Soit elle se trouve sur un toit tout en haut de la map, soit elle se trouve devant le pack-a-punch comme vous le voyez dans le gameplay, ou alors elle se trouve sur le toit d'une maison en bas de la map. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est tirer dans cette orbe. Mais ce qu'il faut savoir avec cette orbe, c'est qu'elle suivra la direction où vous tirez. Donc, si vous tirez vers un endroit, elle suivra la trajectoire de vos balles. Et de ce fait, vous allez devoir la diriger vers le pont, justement où il y a le véhicule au bout du pont. Donc, quand vous avez réussi à ramener l'orbe jusqu'au-dessus du véhicule, ce que Weaver va vous demander, c'est de trouver un jouet. Alors, ce lapin a trois emplacements possibles. Il spawn là où il y a les boîtes mystères. Bien entendu, s'il y a une boîte mystère à l'emplacement, eh ben le lapin ne s'y trouvera pas. Alors, pour vous aider à trouver le lapin et les orbes, je vous affiche une map avec tous les emplacements des lapins et des orbes. Alors, pour le lapin qui se trouve au milieu de la map, donc qui est le gros bâtiment en plein milieu de la map, eh ben là, le lapin se trouvera sur le toit. Donc, je vous l'indique au cas où, comme ça, vous ne devez pas chercher dans tout le bâtiment. Vous devez vous rendre tout au-dessus du toit pour aller voir si le lapin s'y trouve. Et quand vous avez trouvé le lapin, vous interagissez avec. Ensuite, vous allez devoir tuer tous les zombies qui vont arriver. Quand vous aurez tué tous ces zombies, vous allez pouvoir récupérer la peluche sur vous. Alors, s'il y a des zombies qui vous courent après, vous pourrez utiliser l'attaque spéciale de la peluche en appuyant sur L2 et R2, comme si vous activiez votre spécialiste, au cas où il y aurait trop de zombies autour de vous. Alors, ce qu'il faut faire avec cette peluche, c'est tout simplement la ramener au véhicule. Alors, quand vous l'aurez ramené au véhicule qui se trouve sur le pont, là, très important, je vous conseille de vous stuffer parce que vous allez devoir escorter le véhicule. Nous, on ne s'est pas stuffer, on a lancé comme ça, on pensait qu'on pouvait se stuffer plus tard. Donc, on a lancé l'étape qui est d'escorter le véhicule. Et là, en fait, le véhicule va aller en hors zone et vous allez devoir suivre le véhicule. Donc, vous ne pourrez plus revenir dans la map et améliorer vos armes ou essayer de vous stuff à un maximum. Alors, nous, on s'est fait tuer un peu plus loin dans l'étape parce que tout le monde n'était pas stuff, donc c'était compliqué. Cependant, on a quand même réussi à escorter le véhicule jusqu'à son point de destination. Donc, quand vous aurez escorté le véhicule, vous allez devoir trouver les scientifiques qui seront marqués tout simplement par une étoile. Donc, vous aurez juste à vous rendre au point où il y a l'étoile et là, vous trouverez les scientifiques. Là, vous allez devoir interagir avec une radio qui se trouve par terre. Et il y aura même un document à droite que vous allez pouvoir récupérer. Donc, quand vous allez interagir avec la radio, à la fin de la conversation de la radio, vous allez devoir vous exfiltrer. Et c'est là que nous, on est mort parce qu'en réalité, il va y avoir un horda. Donc, nous, au début, on pensait qu'il fallait tuer tous les zombies. Donc, on essayait de tuer tous les zombies, mais à chaque fois, ça respawnait. Donc, il était marqué neutraliser 10 zombies, puis 5, puis après, ça remontait. Parce que tout simplement, horda refait apparaître des zombies. Donc, l'hélicoptère ne peut pas se poser et vous ne pouvez pas vous exfiltrer. Donc, en fait, l'objectif principal, c'est de tuer horda en premier lieu, puis ensuite, tuer tous les zombies qui restera. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit de vous stuffer à un maximum, parce qu'il faut vraiment que les trois personnes soient stuffées. Nous, les trois personnes n'étaient pas stuffées, donc on a vraiment eu du mal, et en fait, à la fin, on s'est fait tuer. Donc voilà, quand vous aurez tué Horda, vous vous exfiltrez, il y aura une cinématique qui annoncera la prochaine map, donc le DLC 3 en zombie de Cold War, qui arrivera au mois de juillet, qui s'appelle Moer der Toten. Donc voilà, en soi, le secret n'est pas très compliqué comparé à la première partie du secret qui est beaucoup plus difficile, je trouve. Le deuxième secret, il suffit juste de battre un horda et s'exfiltrer et ensuite c'est terminé. Donc la deuxième partie, je la trouve un peu plus facile. Après, elle est quand même assez plaisante à réaliser parce que carrément, on va en out of map. Il y a des grosses méduses comme ça qui apparaissent dans le ciel. Franchement, je trouve que c'est quand même assez beau. Et au final, on a quand même un petit boss à la fin du secret qui est horda. Mais bon, après, c'est sûr que c'est pas aussi difficile que le premier secret. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère que ce guide complet vous aura été utile et qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.